Je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Y'en a qui ont dit je ne peux pas. Y'en a qui ont douté de moi. Mais tout ça parce que je n'avais rien. Je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Y'en a qui ont dit je ne peux pas. Y'en a qui ont douté de moi. Mais tout ça parce que je n'avais rien. Qu'en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, yeah. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer, ha. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Shalom chez vous, ici c'est POC TV. Nous sommes présentement à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, où nous allons accueillir l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokwe, d'une retraite spirituelle. Et il revient aujourd'hui du Cameroun. Tout à l'heure, nous allons recueillir pour vous les impressions et l'attente des fidèles de POC de Vie. Ils sont venus nombreux en groupe. Donc écoutez quelques-uns qui vont se confier à nos micros. Monsieur Runto Apollinaire, n'y a pas de roi. Bon, au fait, le prophète est tout, il tombe, Moi, je m'appelle M. Amoko Gildas. Je suis le président des fonctionnaires à l'église évangélique Port de Vie. Et nous sommes venus ici présentement juste pour accueillir notre papa qui a voyagé vers notre grand-père pour une séance. Et nous sommes là pour l'accueillir et je suis vraiment très joyeux pour pouvoir l'accueillir. Nous l'attendons avec de grandes joies. Et toujours, la majorité, nous sommes là pour pouvoir accueillir notre papa. C'est une grande joie pour nous. Je m'appelle Degué Carlos. Je représente les commerçants de Port de Vie. Si je suis là ce matin, c'est parce que je ne suis pas le seul. Je suis là avec tous les membres et des commerçants pour accueillir notre père spirituel qui sera là d'un moment à un autre. Nous sommes donc à l'aéroport pour l'accueillir. Il faut noter que c'est une grande joie pour nous donc, d'accueillir notre père spirituel qui est allé rendre visite et à notre grand-père, je vais dire. Donc, il sera de retour et nous sommes vraiment très contents en tant que digne fils de la maison d'être présent pour accueillir donc l'homme de Dieu. Commerçant de Port de Vie, lumière aujourd'hui, lumière demain, lumière pour toujours. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Pourquoi ça, Pauline? Dès que j'ai va fille, je vais faire un prophète François Xavier Alokwe, et ce jour-là, je vais faire et mille djijoua men de kan ya mi java dogwe na mille fie gafou ya men sentinelle Port de Vie sentinelle Port de Vie bon est devenu grand joueur camarade line c'est parce qu'il a bataillé Gattuso le lui Ezekiel Nato oh mi dakpe no yesu mi o mega ivuito klendega et mi djimo mi ba ye gbo et mi so wa ho be me ba dogo yi. Donc, au Vika et Togon, on a Tchédi, si Togon, on a et nous aussi, on a le midi, pour le papa, le midi, pour le midi, pour le midi,
on a zé soyaka bonu atieni on a beki kondo mi di sinfi kaka soy port de vie e a wa wa ne mi mi wa ponu elo ie a wa wa ne mi mi wa ponu elo njo pe to ti gbogbo meton e wa yi ta gbo meton Eriksen gon do Cameroon a wa chemi ta wa sumbo ndo ma a mrs e khe ho de sin tambo chawe bona ku bura yi ho ro e no sumbo wa fi ero a mrs sa e yo no pa klopole hun a mrs sa je mi na do no kun sin konton ase a mrs sa e yi sin totongon bo chawe hun bo da mrs sa de yi ho po mi tun do e wa o ti una jero pe sa mi to me manifestation la de ku do no kon ku fi de bo mi je o mo tun ton na de kle je we e no sumbo mi wa un do na pe do fi. Bon, nous n'avons pas l'habitude de venir à l'aéroport comme d'habitude. Notre papa spirituel, le prophète Alokpe François Xavier, a effectué un voyage vers son père et aujourd'hui il devrait revenir. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour pouvoir l'accueillir, pour jouir aussi d'onction que lui aussi a contracté là-bas. C'est pour cela que nous sommes là. Je vous ai dit que nous sommes venus pour contracter les premières onctions. Donc, ça coïncide en même temps avec le réveil de 3 jours que nous voudrions commencer demain, après-demain et vendredi. Donc, et ça va badiner. Ce ne sera pas de l'amusement. Donc, vous allez constater le renouvellement de cette onction tout de suite à partir de l'aéroport avant qu'on n'aille à la maison. Oui, nous prions à tout le monde de venir nous assister. Dieu est à l'œuvre. Et Dieu va les étonner spirituellement que charnellement. Tous ceux qui ont des problèmes physiques, problèmes spirituels, oui, l'onction est disponible. Parce qu'aujourd'hui, Dieu même ne peut plus descendre pour faire quelque chose. Et il a déjà béni certaines personnes, il a déversé son onction sur certaines personnes qui sont ses représentants, ses envoyés, et ceux-là. Donc, régler notre problème sur la terre. Oui, parce que nous sommes dans un moment très très difficile et la force des ténèbres est en train de prendre de l'ampleur. Donc il faudrait que Dieu le Tout-Puissant, oui, montre à l'humanité que oui, effectivement, il est Dieu qui est toujours assis sur son trône. Venez massivement pendant ces 3 jours, mais en dehors de ces 3 jours aussi, venez goûter l'onction qui coule à porte de vie. On peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de New Bell, est devenu grand patron. Mbom, c'est parce qu'il a bataillé. Enfi Lucien, si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo, yo lele oh, ma vie a changé oh. Yo lele, aujourd'hui j'ai triomphé oh. L'or senti au bien. Yo lele oh, tu joues la merveille oh. Yo lele oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Saga pichichi supra toni la même fantomo. What?
comme nous l'avons annoncé, notre papa, le prophète François Xavier Lokpé, de retour de Cameroun, le voilà en chair et en os. Dide miko do bon nou miyon e di edo da e toto miton François Xavier Lokpé. E le kosin Cameroun sin to amedon. Papa, dites-nous, comment vous êtes, vous avez passé votre séjour au Cameroun et quelles sont vos impressions à votre descente de l'avion? Ne mi ka mok bon de mi yidin bon nou Cameroun don bo le ko wa. Kote mi do mnan don nou midin alonu alonu. Ok. Je vous remercie, vous tous. Et je donne gloire à Dieu dans les cieux. Comme l'aigle, il faudrait se cacher pour se ressourcer. Dans le septième mois de l'année. Sept perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Tu dois te cacher, te ressourcer pour les 6 mois à venir. Bon, je ne veux pas discourir. Ce que Gérard dit demain, à 17h, à 17h00, à l'église évangélique Port de Vie, Nandje. Les choses vont se passer. Alors, rendez-vous demain, mercredi, à partir de 17h. Écraser la tête du Léviathan. Mina batanu Léviathan. Viens. Wa. La puissance de Dieu. Ronglon mauto. Va se manifester. Et là dedans. Et la gloire reviendra à l'Éternel des armées. Bagigole bine mama mboto. Shalom chez vous. Fifa do kwemi ton legbe. Je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça parce que je n'avais rien.